Ah, mais il est où, hein? Oh, mais c'est pas vrai, ça. C'est pas possible, là. Allô? Non, mais t'es où, hein? Il y a le sang spoilé, il a commencé, là. Ouais, non, mais laisse-moi une petite semaine, le temps d'écrire un truc et j'arrive. Non, mais ça fait presque 2 mois, là. Non, mais grouille-toi, parce que sinon je dis à tout le monde que en réalité, t'es... Hein? Quoi? Non, non, j'arrive. Ouais, salut, ami cinéphage, tout ça. Bon, il paraît que j'ai quelques films en retard. Un peu, oui, hein. Bah, c'est pas grave, on va dire qu'on va faire une émission spéciale été et ça passe. C'est parti. Ok, un premier film, Star Trek Into Darkness de J.J. Abrams. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année. Scénario embêtant, acteurs qui déchirent, effets spéciaux de malade. Non mais en plus, ça fait plein de références à la Star Trek, la série d'origine, et à La Colère de Khan. Non mais sans déconner, allez le voir. Trop tard, la dernière séance, c'était la semaine dernière. Ah merde! Bon alors, achetez le Blu-ray, pas le DVD, ça c'est pour les aveugles et les connards et tout ça, non. Le Blu-ray 3D de même, ouais, parce que la 3D elle est pas mal dans ce film. Ok, je montre la note maintenant. Ben ouais, allez. 20 sur 20. Ouais, enchaîne. Bon, Man of Steel. Bon alors, la tuerie et déception à la fois. T'es censé faire une critique. Ben le film est en bonne partie filmé comme une merde. Ça bouge, c'est horrible, en plus la 3D est pas terrible, c'est horrible. Oh. Mais les effets spéciaux sont géniaux. Henry Cavill est un super Superman. Ça se dit ça. Mais le système de flashback fait un peu chier au bout d'un moment parce qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. 15 sur 20. Non, mais lui 16 quand même, c'est le film de Snyder, faut pas déconner. 16 sur 20. Non, on va plutôt lui mettre 15 au final. Re 15 sur 20. Non mais tu fais chier. Film suivant, World War Z. On avait des zombies qui marchent, des zombies qui courent, des zombies qui tombent amoureux. Et maintenant on a des vagues de zombies. C'est pas des zombies, hein, c'est des infectés. Pourtant, à un moment dans le film, il parle de zombies. Bon, ce film a deux parties. La première partie, c'est la contamination totale des zombies partout. Des explosions, des zombies qui mordent. Ouah. Puis la deuxième partie, où il n'y a plus grand-chose. Ça se balade dans des couloirs silencieux. C'est calme. Et au final, on retient quoi de ce film? Moi, je retiens surtout la première partie. Zombie is cool. 15 sur 20. Encore. Zombie is cool. Si, est un message de la FDZQSC, la fédération des zombies qui sont cool. Tendrement bisous. Blah. Pacific Rim. Ah, des mécas géants et des gros monstres. Le scénario est assez bateau, mais il y a quand même quelques bonnes surprises. Comme la dérive qui permet de connecter deux cerveaux humains entre eux pour contrôler le Jäger. Non, moi je parle du cargo utilisé en tant que batte de baseball. D'ailleurs, ça me donne envie de faire un petit montage sympa. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Je sais pas. Oh mon Dieu! Accroche-toi bien! Cette fois, ça y est! Pour le film de Guillermo del Toro. Et enfin, Wolverine! On est super excité de retrouver Hugh Jackman, un mutant griffu qui déchire tout. Et dès le début, ça pète! Littéralement! Puis après, c'est bon, on doit trouver au total 3-4 scènes d'action dans le film. En tout cas, c'est. Mais il y a de la romance. Ouais, un peu trop. En fait, le truc que j'ai le plus aimé, c'est la scène post-générique. Quand même. Donc, 12 sur 20. Ouais, je sais que je vais me faire déchiqueter par les fans, mais j'ai préféré X-Men Origins Wolverine. Ouais, ça va. Je sais que Dan de Sabre, en tant que frère de Wolverine, c'est tout pourri, que le Deadpool à la fin, il est tout pourri, mais quand même, le gars, il fait péter un hélicoptère en sautant dessus, et après, il explose sans regarder. Ça, c'est classe. Badass. Sans spoiler. Ah voilà, on se retrouve dans 2 mois encore. Ah c'est bon, je vais m'y tenir cette fois, ça va. T'as mieux, parce que maintenant, c'est moi qui vais à la piscine. Attends une minute, on se retrouve à la prochaine séance. Tchou plus plus. Je te paye pas pour glander, toi. Reviens ici, là. Oh, tu peux payer même pas, de toute façon.
crossover ultime. Waouh, fusée de coude. War Z. Allô? Ah putain. Allô, oui, tiens, allez, allô.